Ça te plaît? Oui. Oh. On se l'a mis les agrans, mais dans le sac, il dit que wow. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas, ça va aller. Enfin, cette vidéo, vous avez été nombreux à réagir dans la précédente. Bon, en fait, pas que la précédente vidéo en tant que telle, mais celle dans laquelle je déballais les valises et que je parlais des habits de maman. Vous avez dit, oui, Suzanne, déballe avec nous, on voudrait bien tricher les modèles, ok? Donc voilà. Donc de ce fait, ce qu'on va faire alors, on va aller. Maman est en train de se reposer. On va aller regarder si maman ne se repose toujours pas. Même si elle se repose toujours, on va essayer de déballer, ok? Vous allez aussi par la même occasion. Maman, voilà. Le carton c'est dur. Oui, ça pèse mon bébé. Voilà. Voilà. On y va, on va retrouver maman les gars, restez. Likez la vidéo si c'est pas encore fait, commenter surtout, partager, ok? On y va. Je vous avais dit, maman était en train de se reposer, donc on va pas trop la déranger. Vous savez que le climat du village, il fait froid, il fait beau temps au village, du coup. Voilà, il a même plu. Il a plu même, c'est comme s'il pleuvait encore un peu. Donc voilà, on va commencer. Mais avant de commencer, je vais d'abord vous dire quelque chose. Au début, vous savez que maman fait son régime et elle respecte beaucoup son régime. Ne mets pas la banane sous le lit, d'accord? Maman respecte beaucoup son régime et pendant qu'on n'était pas là, maman... dans ma tête, tout ce que j'avais vu maman étant petite quand je partais, parce qu'elle était juste venue pour l'occasion, et j'ai vu maman, je me suis dit, quand j'arrive maintenant, je fais ses achats, je paye la taille, j'ai payé la taille en dessous de sa taille normale, croyant que non, comme elle était petite, ça pouvait ne pas, ça pouvait l'aller. Si je prenais la taille normale que j'avais toujours l'habitude de prendre, ça pourrait être grande et tout. J'ai d'abord commencé à faire les achats avec une taille différente, après j'ai causé avec elle. Et moi-même, j'étais embrouillée en fait. Donc j'ai peur là maintenant que. Ah, c'est la mauvaise nouvelle, mais en tout cas, on commence un peu à déballer. Maman elle-même va juger si ça peut l'aller ou pas. Ah ouais, c'est pas facile de payer les habits de quelqu'un à distance, même si vous maîtrisez la taille de quelqu'un, surtout pour une maman qui pense sur sa ligne comme ça là. Ah, c'est pas facile. On va commencer par les premiers achats que j'avais fait. Donc le haut, il n'y a pas de problème. Je prends maman, éteins un peu le haut, on voit. Je pense que pour le haut, il n'y a pas de problème. Mais le pantalon. Le pantalon, alors, c'est là où j'ai peur. Ça va aussi, merci. Ah bon, maman? Oui. Vraiment. Si le pantalon, sinon, va te suffire. C'est vrai que les autres vont être grands sur toi. Un bon, hein. Regardez bien. C'est 42. Tu regardes? Oui, c'est la taille. Parce que maman, normalement, sa taille, c'est 44. Mais là, j'avais pris une taille en dessous. Regarde, arrête un peu comme ça. De ce côté. Ça va me suffire. Ah bon? Mmh. Ok. Ok, bon, en tout cas, passons au prochain. Donc, regarde aussi un peu ça, maman. Ça aussi, c'est la taille. Donc, voilà, c'est quelque chose comme ça. Le haut a le chapeau, comme ça. Donc, voilà. Même ça, ça va me suffire. Ah bon? Bien, bien pendu. Donc, voilà, ceci a les boutons devant, comme ça. Mmh. Dans le pantalon, ça va aller. Ça doit aller. Ok. Ça doit aller. C'est embarrassant quand même de devoir prendre deux tailles pour une personne. Vous savez que maman a vraiment réussi son régime qui était de taille 44 à taille 42. Ça doit aller, maman. Ça doit aller. Ok. Bon, là maintenant, c'est parti cette fois-ci pour un ensemble jogging. Mais là, ça c'est ta taille. Bon, c'est vrai que c'est stretch, ça c'est 44. Le pantalon ne sera pas grand, maman. Regarde un peu. C'est quand c'est stretch, non? Non, ça doit m'aller. Ça doit aller, maman. Non. Voici le haut. Maman ne perd pas le temps. Pardon, maman, lève quand tu portes, voici, ça va aller. Maman veut seulement tester pour voir si ça va aller ou pas. Mais maintenant, comme tu as les collants aussi dedans, maman. Voilà, on va se placer plutôt de ce côté. Voilà. Ah! Mais deux. Non, je suis choquée de voir à quel point est-ce que le résultat de maman
Waouh. Et en plus, elle a un collant à l'intérieur. Elle a un collant lourd à l'intérieur. Mmh. Voilà, elle a un... Attends, bon, je veux pas... Moi, j'ai l'habitude dans mes vidéos de faire comme ça, mais maman n'est pas de la nouvelle génération. Maman me gronde souvent que ne porte plus les habits comme ça dans les vidéos. Voilà, donc voilà, maman a un gros collant lourd à l'intérieur. Donc voilà, on va passer au prochain. Waouh. Maman, teste aussi un peu l'autre. Voilà, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Pour ceux qui veulent voir la prochaine vidéo, comment maman va mesurer pour que vous notez. Oui, la vidéo, si. Bon, je ne demande pas trop, 1500 likes seulement. Je reviens avec une vidéo où on note les habits de maman. Cette dernière shopping que j'ai fait à maman, vous allez noter. Et je crois que il faudrait que je continue à présenter pour que ça vous donne l'envie de liker, de partager la vidéo. Parce que vous verrez les prochains vêtements. Et ça pourrait peut-être vous donner beaucoup envie de voir comment ça va rester sur maman en ensemble. Parce que c'était ce que maman a demandé. Vu que les derniers achats c'était beaucoup plus les robes, cette fois-ci beaucoup plus les ensembles. Et voilà, en tout cas maman est en train d'enfiler un peu l'autre pantalon. Jusque là elle a toujours... Waouh. En plus c'est joli. Waouh. Regardez un peu, aïe aïe aïe, je sais pas comment je vais. En plus tu as un collant dedans maman, regarde comment... Aïe 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 aïe, le corps du vêtement de ça. Le corps du vêtement de ça. Waouh. Je sais pas s'il faut que je ferme le rideau, si ça nous vaut la lumière. Voilà. Le corps du vêtement de ça. Waouh, 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 waouh. Maman, tu penses que ça peut fermer? Oui, ça va fermer. Ça va fermer. Parce que tu as le collant à l'intérieur. Oui. Waouh. Ça veut dire que les prochains allons vont être grands, hein. Bon, hein? Oui, le prochain va être grand. Parce que j'avais d'abord pris ça. Je t'avais dit que maman, j'ai pris le 42. Tu te rappelles le jour que je t'ai appelé au téléphone. Tu m'as dit que non, oui, ça va fermer. Ça va fermer. Je ferme ou je laisse. Non, laisse. Comme tu as le collant dedans. J'avais d'abord pris la taille 42. Parce qu'il n'y avait pas la grande taille sur ce modèle. Vous savez, les vêtements petite taille viennent jusqu'à 42. Et maintenant, dans la gamme des grandes tailles, ça commence à 44 en montant. Donc ça veut dire que sur cette gamme, il n'y avait pas de grande taille. Du genre en plus de 42. Donc j'ai donc pris les deux ensembles que vous voyez. Maman vient de mesurer le pantalon de l'autre et de celui-ci. Le pantalon de ce que maman vient de mesurer. Voilà son haut. Voilà son haut. Voilà son haut. Et ce que maman a mesuré en premier. Voilà son haut. Voilà son haut. Donc du coup, j'avais appelé maman. J'ai dit maman, je suis en train de te prendre du 42. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais je ne suis pas sûre si ça va t'aller. Maman a dit si c'est stretch, tu prends. Mais sauf que ces vêtements ne sont pas vraiment stretch que ça. Et j'ai donc couru le risque. J'ai dit si ça ne va pas suffire à maman, je serai obligée peut-être de faire garde à quelqu'un. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ce sont des vêtements qui m'ont beaucoup plu. Ces deux premiers ensembles que vous avez vus. Bon, les autres aussi, mais surtout celui-ci, comme la taille n'était pas vraiment la taille de maman. J'ai pris ça parce que je sais que maman a fait le régime, ça va l'aller. Et voilà ça qui est en train d'aller à maman. Maman m'a dit si ce n'est pas stretch, par exemple ça c'est pas le tissu qui est. Ça c'est pas un modèle de tissu vraiment stretch. Et là maintenant j'ai fait les prochains achats en prenant quelque chose qui était vraiment la taille de maman. Vous voyez un peu le genre. Donc voilà, si ça suffit à maman, ça veut dire que les autres là. Mais mieux prendre un vêtement qu'on peut peut-être cintrer. Que de prendre un vêtement qui est petit. Si c'est petit, on ne peut plus rien. Mais si c'est un peu la taille en dessous, on peut un peu. Voilà. En tout temps, il y a le bout de chou qui veut prendre le tété. Vous voyez. Donc voilà, on va vite montrer. Likez la vidéo, commentez, partagez si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Les gars, on continue. Tout à l'heure, j'étais un peu stressée pour le fait que la vie de maman ne like. Que ça puisse être petit. Les deux premiers que j'ai d'abord payé, ça puisse être de petite taille. Mais là, ça lui va. Maintenant, le stress est inversé que les autres. Bon, mais le stress quand même est en sens inversé dans ce domaine-là. Maman parle à la caméra. Ça allait sortir. Maman parle à la caméra. Donc, dans ce sens-là, c'est quand même un peu moindre parce qu'on peut retoucher au cas où c'est trop grand. Maman est quittée de 101 kg à 84 kg. Donc, les 1 kg vient d'augmenter, mais comme j'ai resté avec les enfants, ils mangeaient, j'ai laissé les enfants de temps. J'étais à 83. Maman a perdu 17 kg. Oui, 83. Waouh! Waouh! C'est juste incroyable, les gars, c'est incroyable. Donc, vous-même, vous comprenez comment mon embrouille. Et quand j'appelle maman, maman dit que non, prends que le 44. On parle comme ça de toujours de sa taille d'avant là. Donc voilà,
Ça, c'est un ensemble. Bon, là, alors, si maman dit que le pantalon va l'aller, là, je serai très contente. Mon stress va finir. Donc, voilà, ça, c'est un ensemble. Le haut est comme ça. Le haut est comme ça. Donc, voilà. Le haut est comme ça. Et le pantalon est comme ça. Juste que l'on doit mettre même la ceinture avant que tu parles. N'est-ce pas? Bon, maman va un peu enfiler le pantalon. On va voir ce que ça va donner. Ok, les gars. Laissons maman enfiler le pantalon. Moi, j'ai hâte. J'ai trop hâte de voir comment est-ce que le pantalon va rester sur maman, si ça va l'aller. Parce que ça, c'est la taille 44 normalement. Et c'est vrai que j'ai déjà de l'expérience au niveau des achats des habits. Parce que un temps, quand j'étais encore étudiante, waouh, 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 oui, ça lui va. Le col du vêtement de ça. Waouh, si lui va. Dans l'autre, tu te, dans les premiers que tu as portés, tu te sentais à l'aise dedans normalement. Oui, oui, oui. Waouh, waouh, waouh. C'est bien. C'est bien. Et c'est aussi à cause du tissu. Comme je disais, pendant que j'étais étudiante, je faisais les achats des clients. Ce n'est que quand les choses sont devenues, on a notre ampleur, on travaille maintenant beaucoup plus avec les entreprises, les investisseurs et tout, que je n'ai plus trouvé trop de temps à faire ce genre de travail, aller acheter les commandes des gens en petite quantité et tout. Donc du coup, j'ai un peu de l'expérience en ce qui concerne la qualité du tissu. Comme dans ma tête, je savais que maman a quand même maigri beaucoup. Donc je prenais aussi en tenant compte du tissu par rapport à la taille. Donc si j'avais pris 44 dans un autre tissu, ça devait être trop grand sur elle. Mais il ne faut pas que je commence à chanter, voilà. À, on dit quoi? À faire quoi des bœufs avant la guerre? On dit souvent comment, maman? Non, et un truc là, le chariot avant les bœufs. Dites-moi dans les commentaires comment on dit la phrase là, s'il vous plaît. En tout temps, on passe au prochain pour voir si ça va aussi être comme celui-ci, ok? Donc, voilà le prochain. Waouh! Ça te plaît? Ça te plaît? Oui. On se l'a mis les agrandes, mais dans le sac, il dit que waouh! On va d'abord montrer le haut. Voilà le haut. Le haut se présente comme ça. Le haut se présente comme ça. Donc, voilà. Maintenant, le pantalon, je crois que c'est le bleu. Foncé, c'est le noir, maman. C'est le bleu. Je sais pas trop, hein. Ça allait d'être le bleu en même temps comme c'était le noir. Donc voilà le pantalon. Maman, si le pantalon va t'aller, c'est bien. Donc surtout, c'est parce que. Voilà, c'est le bleu. C'est le bleu. C'est le bleu, non? Bleu, foncé, genre, je connais, je sais pas trop. Je n'ai pas trop le maîtrise en termes de couleur. Donc voilà, ça c'est l'ensemble avec ça. Et aussi parce que maman a la bosse là, quand elle prend le poids, c'est comme ça, quand elle perd le poids, ça devient un peu normal, raisonnable. Même moi quand je prends le poids, dès que je prends le poids, je sais que je prends le poids, quand je marche, monsieur qui s'engueule encore, il dit que tiens, ça pousse pas derrière là-bas, hein. Je comprends que là, il faut que je commence à refaire le régime parce que c'est un peu comme le sang chez nous en fait. C'est aussi très intime de vous partager ces moments comme ça. Donc si vous n'avez pas encore liké, je vous prie de liker pour que YouTube propose à ceux qui aiment des personnes qui partagent vraiment de le lifestyle authentique comme nous sans filtre. Quoi, j'allais encore dire quoi d'autre? Oui, surtout partager, ok? Surtout laisser un commentaire. Si vous aimez un vêtement, dites que j'ai aimé tel. Vous avez vu l'ordre avec lequel on a posté. Dites que j'ai aimé tel. Après, si vous aimez l'autre. Si une personne commente même 5 fois, même si vous laissez les cœurs plusieurs fois, plusieurs reprises, ça va faire que la vidéo aura beaucoup de commentaires et YouTube va proposer, ok? Voilà. Maman est en train d'affiler un peu le pantalon pour qu'on voit. Donc vous-même, vous voyez que si j'avais en ce tissu, si ça aurait été le 42, ça ne devait pas aller à maman. Donc c'est la qualité du tissu aussi qui a été à l'origine du fait que, qui a fait en sorte que ça puisse l'aller. Ok, donc voilà. Voilà, voilà. Le goût de ça. Non, avec le aussi, j'imagine avec le aussi. Pardon, en fait comme ça la vidéo s'y va propulser, je vais, maman va mesurer ses habits, on va noter ensemble. Maman va noter ensemble pour que vous puissiez également noter dans les commentaires. Ok, parce que maman mesure que les bas, parce que c'est le bas qui est le problème à cause de... Hein? On passe au prochain.
Bon, là, ça, c'est du bleu. Oui, ce bleu est différent. Bon, enfin, je sais pas si c'est le bleu, mais là, on voit vraiment que c'est du bleu. Voilà, ici, le haut est comme ça. J'adore les ensembles. Waouh. Maman adore les ensembles pantalons jusqu'à... La dernière fois qu'on faisait ces achats, je payais ce que je croyais que ça lui plaisait, les robes et tout, les tailleurs d'âme, pas en pantalon. Maman était toute contente, on a aussi pris l'ensemble. Mais cette fois-ci, elle a dit que les ensembles, oh, ma chérie, voilà. Du coup, on a pris à maman que des ensembles, vous allez voir que des ensembles. Donc voilà le pantalon. Donc voilà le pantalon. C'est le voyage qui a poussé comme ça. Ok, bon, maman juge que ça va l'aller. Voilà, et là, ça c'est le haut qui va avec. Ça c'est le haut qui va avec, comme vous remarquez. Voilà. Voilà. Maman aime les. Hein, maman? J'ai mes yeux encore. Bon, ça dépend de toi. Mais moi, je vois que ça va aller. Et si cette vidéo atteint 1500 likes, tu vas encore porter tout ça dans une vidéo. On va noter. Il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. On passe au prochain. Alors, on voit le prochain, c'est quoi? Moi-même, je ne sais même pas ce que je ne sais même plus quel est quoi le prochain. Voilà, voilà le prochain. Hey. Voilà, ça c'est toujours en 40, 44. J'aime trop le design de l'arrière. Regardez, l'arrière est comme ça, est ouvert comme ça. C'est vraiment très beau avec quelque chose qu'on attache comme ça. Regardez. Et maintenant, quand on retourne comme ça, le devanture est comme ça quand on retourne. Et voilà. Maman, ça va aller, n'est-ce pas? Ça va aller, ça va aller, ça se voit. Ok, voilà. Donc, on passe au prochain. Donc, le prochain, c'est quelque chose plutôt de ce genre. Voilà. Le prochain, c'est quelque chose de ce genre. Je trouve le derrière, c'est vraiment... ça va vraiment... C'est 44. Toujours comme les autres. Je trouve le derrière vraiment top. Donc, ça va vraiment... Ça va être taille haute, oui, ça va vraiment être taille haute, ça va vraiment... En tout cas, je parle comme si la nouvelle génération et la génération des mamans ont toujours le même... Je parle taille haute jusqu'à j'insiste. Alors que, voilà, voilà comment ça se présente, ça. Comme vous pouvez remarquer. Et on va passer... On va passer au prochain. Bon, là, là, ça c'est les chemises. La chemise... Le haut à l'intérieur, c'est-à-dire, comment dire ça? Pour aller avec les ensembles en fait. Par exemple, ça, ça, il y a la couleur de cet ensemble ici. Il y a ça ici. Que ce soit celui-ci, ça marie avec cette couleur. Que ce soit celui-là, ça marie avec cette couleur. Il y a un peu le trait de blanc à l'intérieur. Donc voilà. Voilà la raison pour laquelle j'ai pris cette chemise. C'est vrai que même celle-ci pourra aussi aller avec beaucoup d'entre eux. Comme celui-là par exemple. En plus de ça, il y a cette chemise aussi. Il y a cette chemise aussi. Voilà. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur. Maman aime aussi beaucoup ça. Maman aime ça. On appelle ça comment, maman? Groche. Ah, la groche. Moi-même, je ne connaissais pas le nom. Donc, j'ai pris avec ça aussi. Il y a aussi une autre groche ici. Donc, ça fait trois groches. Trois groches maman, ça c'est la même chose, ça c'est la même chose. Donc, comme ça fait trois pour maman, je prends ceci. Parce que ça c'est la même chose, identique. Donc vous avez vu là, le rôle de la groche, J'espère qu'on appelle la groche. Dites-moi dans les commentaires comment on appelle ça. Donc voilà. Je vais enlever ça comme ça. Ok, voilà, comment c'est ça. Ah, tu prends-tu pas mettre dans le tiroir de maman? Le côté où maman se couche, dans le tiroir, d'accord. Voilà. Le prochain c'est quel? Bon, le prochain cette fois-ci c'est parti plutôt pour un ensemble sport comme tout à l'heure. Ça c'est la taille 44. Donc 2XL. Maman s'il te plaît, enfile un peu le pantalon. Je vois comment ça va rester sur toi. Dites-moi si l'ensemble ici n'est pas joli dans les commentaires. C'est vraiment, j'ai eu un faible pour ce pantalon, pour cet ensemble parce que la couleur, le design, ils ont vraiment réussi Matisse. Ça. Ils ont vraiment très bien réussi ça. Voilà. Donc ça va très bien à maman. Ça. Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est bien, maman. C'est bien. J'avais hâte vraiment de voir comment ça devait être ce moment. J'avais peur que ça devait pas. En fait, je voulais voir comment ça devait rester. Vous savez, là, parce que là, maintenant, ça mélange dans ma tête entre 42 et 44. À chaque fois, je vais me poser la question à savoir, est-ce que je prends le 42 ou est-ce que je prends le 44? Parce que le 44, c'est 2XL.
comme vous pouvez remarquer. Donc là maintenant, les premiers ensembles que maman a mesuré, c'était 1XL et ça, ça l'allait. Et tout le reste qu'on mesure depuis là, c'est 2XL. Et là même moi, je suis embarrassée. Hein. La prochaine fois, je vais prendre donc XL. Et quand maman continue à faire son régime et tout, ça ne pourra pas me dépasser. Donc voilà, on continue. J'ai même pris un ensemble encore pour maman de ce genre. Voilà, j'ai pris un ensemble à maman de ce genre. Pourquoi tu je sais pas si elle va porter ou si elle va pas porter. Ça me plairait de lui voir dans un ensemble comme ça. Cette fois-ci, on est parti du Fendi. Là-bas, c'est Gucci. Ici, c'est. En tout cas, quand la vie est bien, je ne regarde pas trop la marque. C'est Monsieur Christian qui insiste souvent que. Il m'offre les choses qui font partie des marques qu'il aime. Alors que moi, tant que mon avis reste seulement comme je veux, je ne suis pas. Bon, aussi, je pense qu'il y a un moment de la vie quand on a beaucoup d'objectifs à atteindre et qu'on a beaucoup de choses qui nous absorbent sur le plan financier. Quand on voit peut-être un 2000 ou 3000 dollars qu'on va sortir pour aller te payer quelque chose d'original ou voire même plus de ce montant, on se dit. Oh, c'est bon, maman, c'est bon. J'avais peur que ça devienne. Laisser tes cuisses dehors et que ça puisse faire que tu n'aimes pas. Que ça devait rester comme pour nous les jeunes filles qu'on laisse les cuisses dehors non, comme ça là et tout et tout. Donc ça va, c'est bien serré. Juste au-dessus du genou de maman. Donc qu'est-ce que je disais tantôt? Voilà, donc je peux me sacrifier pour dépenser l'argent pour payer les choses pour ma mère. Parce que la mère de quelqu'un, il n'y a pas d'eux. Souvent pour moi, je vois toujours des choses qu'on a fait, je vois. Mais à un moment de la vie. De rien, maman. Bon, on n'a pas fini, on continue. Maman, elle est contente. Elle ne sait pas que la surprise arrive encore. Oh là, il y a les cailles. Non, laisse d'abord le petit. Oui, apporte les cailles, apporte quand même. Voilà. Voilà, on continue d'abord avec le slack, on finit avec les cailles. Les gars, est-ce qu'on va même tout vous montrer dans la vidéo aussi là? Likez si c'est pas encore fait, laissez le cœur dans les commentaires si vous pensez que c'est bien. Une maman dit, regardez, toute ma vie va que sur mes enfants, je ne m'habille pas. Maman ne s'habillait pas parce qu'elle se souciait de nous avec papa et tout et tout. Maintenant, si vous pensez que c'est bien que maman puisse s'habiller à travers son enfant ou ses enfants, laissez le cœur dans les commentaires beaucoup de fois, beaucoup de cœur, ok? Maman. Oui, mon bébé. Voilà, parce que ça fait mal. Voilà, la famille on continue, ça c'est un haut, l'ensemble, le bas de ça est à l'intérieur, donc je vais regarder ça. Voilà, voilà la chaussure de maman. Ouais. Maman aime bien ce genre de chaussures. Bon, maman est en train de mesurer sa chaussure, mais on ne va pas vous montrer comment ça va rester dans la prochaine vidéo si vous êtes nombreux à liker la vidéo, si ça atteint 1500 likes. Waouh, maman, c'est trop beau dans ton pied, c'est trop beau. C'est trop beau dans son pied, les gars. Vous voyez souvent un design comme ça que vous-même, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est trop beau. Et surtout, elle chose grand. Donc, du coup, pour trouver une grande taille, une taille qui devait lui convenir avec son pied qui est grand. Parce que moi, maman, je suis 41 et demi, voire 42. Alors que moi, je saute 39-40. Donc, imaginez l'écart de différence qu'il y a entre nos pointures. Donc, trouver une chaussure qui devait bien l'aller comme ça. Ça n'a pas été facile. Et c'est trop beau dans son pied. Donc, si on a dû d'aller atteindre 40 500 likes seulement. Et on revient avec la prochaine vidéo où maman va mesurer tout ça. Et on va noter. Donc, c'est vrai, on n'a pas encore fini avec celui-ci. Là, nous avons encore des hauts. Par exemple, ce haut, maman peut porter à l'intérieur de ces ensembles-là. Parce que maman a insisté qu'elle aime beaucoup maman aime beaucoup les ensembles pantalons. Elle aime beaucoup. Ce n'est que cette fois-ci que je suis à quel point elle aimait ça. Et je me suis dit, maman, tu seras servie. Voilà. Donc, il y a le haut là. Il y a aussi cet ensemble. C'est toujours pour maman. Donc, il y a ce pantalon. Voilà, il y a ce pantalon. Je crois que ça va l'aller aussi. Oui, c'est stretch. Voilà. Donc, ça, c'est pour les petites sorties, en fait. Pour les petites sorties. Maman, j'espère que ça va t'aller quand même. Ok. Je suis pas haute ici. Maman dit que mon corps n'est pas dans le sol. Voilà. Ok, maman affine un peu pour que je puisse avoir une allure. À chaque fois, c'est important de voir. Parce que quand vous vous déplacez et que vous n'êtes pas avec la personne et que vous devez faire acheter ce vêtement. Waouh. C'est trop beau, hein. C'est trop nyangam. Et c'est un peu taille haute. Waouh, c'est trop bien.
C'est trop bien. Donc voilà, le on va partir pour cet ensemble aussi. Mais le haut de ça, je ne m'inquiète pas pour ça, ça va l'aller. Donc voilà, le pantalon, je ne m'inquiète pas parce que là, il n'y a pas de souci de taille. En tout cas, j'espère que ça va l'aller. Ok, d'accord. Maman, j'aime trop le tissu, c'est trop beau. C'est trop beau, j'ai trop aimé le tissu. J'ai voulu prendre ça avec moi. Mais j'ai vu que si je prends le budget que j'avais, si je prenais encore en deux, l'argent avait diminué, l'argent pour te payer un truc de plus. J'ai dit que non, moi c'est là, non, je reste comme je suis. Je n'ai pas de pression, j'habille ma mère, même si je ne suis pas habillée. À chacun ses objectifs. Donc ne venez pas m'user dans les commentaires, oh tu t'habilles pas, oh si c'est ça. On n'a pas les mêmes objectifs, s'il vous plaît, de grâce. Vous avez vu le pantalon, c'est énorme, ça coupe le souffle. Moi j'ai dit que je prends pour moi. Après j'ai encore regardé l'argent, j'ai dit que non, le budget là, si je prends encore pour moi, je n'aurai pas la possibilité de te prendre un truc de plus. C'est vraiment trop bien. Et la couleur aussi, et tout, et tout, et tout. Vous avez déjà vu l'ensemble en question. Et voilà. Là, nous avons les vêtements. Par exemple, comme cette robe que j'ai sur moi, là, les habits pour rester à la maison. Parce que j'ai pensé à tout. J'ai pensé à tout. Donc, voilà. Pour voir, par exemple, cette robe que j'ai sur moi, là. Regardez. Donc, j'ai pris la taille de maman. C'est vrai que c'est pas... C'est pas la même couleur. C'est pas la même couleur, mais ça, c'est la taille de maman. Ça, c'est ma taille sur moi. C'est pour que vous voyez un peu de quoi il est question. Donc, voilà. Ça, toujours, je crois que ça, c'est la taille de maman aussi. Ça, c'est la taille de maman. En tout cas, j'espère que ça, c'est ta taille, maman. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu petit. Voilà, parce que maman aime beaucoup plus quand elle est à la maison. Elle aime être décontractée. Elle n'aime pas être... Voilà. J'ai pensé à ça. Voilà. Maman a doublé ceci sur ce qu'elle avait déjà sur elle. Donc voilà, ça veut dire que ceci va aller aussi. Et en dehors de ça, nous avons aussi ça. Nous avons aussi ça. C'est toujours le vêtement de maison. Nous avons aussi ça. Je ne sais pas si la caméra vous filme bien. Mais on va avancer, on va évoluer. Voilà, les gars, voilà, nous avons encore un ensemble de surprises dans le sac, dans le plastique là-bas. Donc, on va réserver ça pour la prochaine vidéo. On va noter ces vêtements pour que vous puissiez voir. Elle va porter sa petite robe, on va noter, on va vraiment toucher les modèles, on va vraiment voir comment ça va rester sur elle, on va vraiment voir ça dans son meilleur angle. Et surtout, à ce moment-là, soit M. Christian va noter. Soit on va noter ensemble. En fait, on verra au moment au porteur, ok? Je crois que ça serait vraiment bien de le faire. Pour que vous puissiez encore mieux apprécier. Mais la balle est dans votre camp, vous le savez déjà. Likez, commentez, partagez. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo, comme d'habitude. Bisous, bisous! Bye bye! Bye.